Et bonjour, c'est Cœur de Gamer et c'est la select de l'album JV de juin. Et ce mois-ci, on ne va parler que de deux jeux car il y a eu les festivités jeux vidéo de juin, dont le Summer Game Fest. Et avec le débrief et mon avis sur le Summer ainsi que la preview de quelques jeux sur le site. Et ce mois, la select de l'album JV, on va parler de The Lost in Random et Cloudpunk. Et on passe à la première écoute, Lost in Random, pour se mettre dans l'ambiance, Roll That Daikai, dans la BO de Lost in Random. What manner of destruction will it unleash upon these fighting grounds? What wounds and orbs will it tear asunder as its true power is crushed? Roll that dice, come on, Eva, won't you gamble with me? Give him back! Now let me see, if you want him back, you gotta roll that three, so roll that dice. You want this garbage back, you gotta go through me. It's not garbage! Oh, really? Even knew she had to find her missing friend. She gathered her courage, squared her shoulders, and then... I just want to go home. Then realized that she just wanted to go home. I will do you a favor. You want this garbage back? Yes! Well, go. Let me be, just hear them moans when I roll in bones. The odds are even, it'll set you free, so roll that dice. Oh, don't see, I'm so sorry. Don't apologize, pick up that die and roll that dice. And roll that dice, roll it now. The Black Robinson Syndicate Orchestra, également connu simplement sous le nom de The Syndicate Orchestra, est le pseudonyme d'un compositeur et orchestrateur de musique de jeux vidéo britannique, Black Robinson, qui a développé d'importantes vidéos sur YouTube, principalement pour ses orchestrations, recréations et remix de jeux vidéo populaires. Il est né à Londres en Angleterre. Black Robinson est obsédé par la musique générée par les ordinateurs depuis son plus jeune âge. Dès ses plus humbles racines, il a joué à Protecker sur son Atari ST. Blake utilise désormais une station de travail haut de gamme pour créer des pièces orchestrales épiques et des bandes sonores symphoniques luxuriantes dans le confort de sa maison. Robinson publie fréquemment des orchestrations de musique de jeux vidéo populaires sur sa chaîne YouTube. Sa chaîne propose des titres d'une grande variété de genres et de diversité de l'époque de l'histoire de jeux vidéo. Alex Kidd dans Miracle World sur Sega Master System et Alan Wake sur Xbox 360 par exemple. Robinson a commencé une carrière dans le développement de jeux et a travaillé comme programmeur d'outils et développeur web pour des sociétés telles que Electronic Arts et Real Team World. Alors que la musique devenait un intérêt plus important dans sa vie, il s'est concentré sur sa carrière, quittant l'industrie et devenant développeur et compositeur indépendant de logiciels de musique. Bien qu'il ne soit plus développeur de jeux à temps plein, Robinson passe toujours son temps libre à concevoir et développer des jeux vidéo indépendants. Et avant de continuer, passons à une autre écoute. Dans la BO de Lost in Random, le menu thème.
Robinson est un utilisateur passionné de FL Studio et d'images, et répertorie comme un utilisateur expérimenté sur leur site web. Il publie fréquemment des didacticiels et des vidéos de présentation sur ses chaînes YouTube principales et secondaires, et connu pour approfondir les processus et les outils qu'il utilise pour créer sa musique. Robinson a également étendu son influence en dehors de YouTube, en sortant plusieurs albums de musique originale composés par lui-même, développant des échantillons. Le principal carrière de Robinson est le développement de logiciels audio. Il fait actuellement partie intégrante de l'équipe de développement de Spitfire Audio, une collection de compositeurs et d'ingénieurs qui créent des bibliothèques d'échantillons pour l'échantillonnage contact de Native Instruments et pour leur moteur d'échantillonnage. Et il a travaillé à Crypti Candy, Matchmaster, Parable, Stanley Parable, Pirate of New Horizon, Portal Knight et Lost in Random. C'est les projets auxquels il a composé. Et on passe tout de suite à une autre écoute dans la BO de Lost in Random. Robinson est le compositeur de la bande originale de Lost in Random qui a remporté le prix du meilleur jeu indépendant au prix Gamescope 2021 et a été nominé pour le premier Game Award 2021 de Tribeca. Robinson a composé la bande originale de Portal Knight qui a remporté le prix du meilleur jeu en ligne en Allemagne à la German Game Developer Award en 2016. En 2014, Robinson a été annoncé comme finaliste IGF dans la catégorie Excellence in Audio pour The Stanley Parable. Robinson était le compositeur principal de The Stanley Parable, nominé pour plusieurs BAFTA. Et on passe à la dernière écoute pour Lost in Random. Et mais l'album comprend 40 morceaux, donc je vous invite à écouter si vous voulez, car elle est vraiment très très bien. Et on va écouter The Dice Song dans la BO de The Last in Random. Playing dice may be my biggest vice, still take my advice. Kiss 'em before you toss 'em.
Though I may have lost a coin or two gambling my pouch away, kissing before. Be it the king, be it the queen, be it the souls under their feet, you must kiss them before you toss them. One, two, three, four, or five, or six, whatever the dice decides, kiss 'em before you toss 'em. See, it's not up to you to wage a war. It's whatever the dice decides, kiss 'em before you toss 'em. Be it the king, souls under their feet, kiss them before you toss them. Be it the king, be it the queen, be it the souls under their feet, kiss them before you toss them. Et on passe à l'autre écoute de ce mois de juin qui a été Cloud Punk. Et on se met tout de suite à une ambiance en écoutant un morceau Cloud Punk Maintain. Musicien, producteur, compositeur et sound designer, Harry Critchley est un compositeur de jeux vidéo et producteur de musique passionné et compositeur cinématographique et un concepteur sonore à Manchester, au Royaume-Uni. Encore un Anglais, il est diplômé de Lakeland en production musicale et commerce de musique. Il a produit de la musique depuis plusieurs années maintenant et depuis qu'il a obtenu son diplôme universitaire, il compose pour différents projets dans un large éventail de genres, avec de nouveaux projets constamment en préparation. Il a des compétences étendues sur plusieurs logiciels de production musicale tels que Ableton Live, Logic Pro, Ryson, Cubase, FL Studio, ainsi qu'une connaissance approfondie de la synthèse qui ne cesse de croître. Et on passe à une seconde écoute, Sands and Wave, dans la BO de Cloud Punk, composée par Harry Critchley. We'll be right back.
Les projets auxquels il a travaillé est Cloudpunk, Score, Mindtine. Il était compositeur de musique et concepteur sonore pour le jeu AR Move. Il a composé la musique et concepteur sonore pour Iron Adventure. Il a composé la musique et sound designer pour Serene. Et il a composé plusieurs morceaux. J'ai pas grand chose sur ce compositeur. On passe tout de suite à la prochaine écoute. Néon dans la BO de Cloudpunk. Comme je le disais, je n'ai pas grand chose de plus sur ce compositeur, mais il fait du bon boulot pour la musique du jeu. J'apprécie la musique de Cloudpunk, j'espère que vous l'appréciez aussi. Il porte bien le jeu, il a une très bonne ambiance. Et avant de nous quitter, passons à la dernière écoute, Stimulant, dans la BO de Cloudpunk. Thank you.
Et on va se quitter, c'est la fin de cette select de l'album JV qui a été court avec deux jeux à cause du mois de juin et des festivités. J'espère que vous avez passé des bonnes festivités de jeux vidéo. Et sinon je vous dis à plus, on va se quitter avec un dernier morceau, It's Liking Flossing, dans la BO de Cloudpunk. A plus.